Ok, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'AFK Arena, première vidéo d'AFK Arena en 2021. Donc déjà, bonne année à vous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et écoute, j'espère qu'on va continuer via la chaîne à continuer l'année 2021 ensemble, voilà. Donc allez les gars, on n'a pas beaucoup de choses à faire, mais je pense que ça va être long. Tu peux voir qu'au niveau de l'event festivité d'hiver, il se finit aujourd'hui. Moi, à l'heure où je te fais la vidéo, il se finit aujourd'hui dans 6 heures. Et j'ai rien fait, voilà, j'ai toujours rien fait, je suis toujours à l'étage 1. Et mine de rien, il va falloir commencer, quoi. Et juste avant que j'oublie, les gars, il y a un code de réduction. Bon, en vrai, j'ai déjà oublié, hein. Là, on est en fin de vidéo, j'ai déjà tout terminé. Mais j'ai relumé ma caméra pour vous dire que il y a un code de réduction. Alors, je l'avais marqué dans la vidéo d'avant d'AFK Arena, je vous avais mis deux codes. Mais en vrai, la vidéo, je t'en avais fait qu'un. Donc voilà le deuxième code. Donc c'est HAPPY2021, je vous l'ai mis dans la description. Et pareil pour le site, pour rentrer le code, tout ça. Donc là, on va là-dedans. Et regarde, ça te donne 30 parchemins de factions, donc c'est énorme, hein. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est le petit code sur de l'an. Je vous laisse retourner à la vidéo. Je sais pas ce que j'étais en train de vous raconter, clairement. Là, je pense que je vais vous insérer cette séquence-là en début de vidéo, donc j'ai rien dû commencer. Donc voilà, je vous embête pas plus. À bientôt. Donc clairement là, écoute, on va utiliser ça, voilà. Alors je sais pas combien de temps ça va me durer, honnêtement, parce que là j'ai plus de 1000 clés. Je sais pas à quoi ça peut vraiment correspondre. Donc on verra bien. Écoute, j'espère avoir, si possible, arriver assez facilement à avoir le loot. Alors je sais que là, au début, les loots sont pas ouf. Bon, déjà ça commence très mal. J'ai pas ce que je veux dès le début. Et je pense que ça va être sur l'extérieur. Je pense que là, je me suis fait avoir. Ok. J'espère que c'est que sur celui-là où j'ai pas de chance. Non. On va faire le bas. Ok, nickel. Bon, allez, ça, on l'a. C'est très bien. Au niveau des récompenses, est-ce qu'on peut avoir des coffres là? Pas encore. Après, c'est normal. Là, c'est les premiers niveaux. C'est logique. Donc, étage 2, c'est pareil. Hein. Parce que pour avoir des bons loot, on le sait, il faut aller là. Et quand tu cliques dessus, ça te dit en fait les loot, quoi. Et tu vois, nous, les coffres qu'on veut, c'est à partir du niveau 10. Les persos, c'est à partir. Alors, certains niveau 10, certains, il me semble, il 20. Quoi? C'est que. Attends, mais c'est quoi il 20 alors? Ah, si, c'est les Dark. Certains Dark, parce que tu vois, Wukong, non. Mais les autres Dark and Light, ok, c'est level 20. Ok. Voilà, bon, je vais continuer à prendre ça en vrai, parce que je sais pas trop quoi prendre d'autre et que ce loot est pas dégueu. Donc, on n'a pas eu trop de chance sur celui-là d'avant. J'espère que là, je vais l'avoir directement. Allez, s'il te plaît. Dans les premières cases, ça serait pas. Voilà, nickel. Ok. Là, déjà, on est pas mal. Parce que cet event-là, on le connaît évidemment. Et c'est le même que, il me semble, la dernière fois. Et il y a toujours 36 cases. Et je me dis, bah, tu vois, si à chaque fois, il faut. On est d'accord qu'il faut une clé pour une case. Attends. Si là, je fais ça, 20. Ah non, c'est 3 clés, d'accord. Donc, ça veut dire que là, si on n'a vraiment pas de chance et qu'on ouvre tout à 100%, on arriverait un peu plus que le niveau 10, mais ça serait pas ouf du tout. Hein. Donc là, j'espère que j'aurai un petit peu de chance. Évidemment, il faut que je dise ça. Ah, ça va. Bon, ça monte quand même doucement. Hein. Là, on est à peine à l'étage 4. Mais c'est pas grave, écoute, on a le temps. Voilà. Clairement, je voulais te faire cette vidéo hier parce que je voulais pas attendre là, les dernières heures avant de faire cet event-là. Mais honnêtement, à cette heure-là, hier, j'étais en train de dormir, les gars. La reprise du travail a fait très, 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 très mal. Tu sais, quand t'es habitué à te coucher un petit peu tard et que tu reprends le réveil à 6h30, là... Ouh. Autant te dire que j'ai dû m'endormir à peu près, hein, à 4h du matin. Donc, les 2h30 de sommeil, le soir, je les ai sentis passer. Hein. Bon, du coup, je te fais ça aujourd'hui, c'est pas très grave. Je sais que bientôt, il y a une mise à jour. Enfin, il y a des events là qui vont popper au niveau des aventures. Je crois qu'on est à un jour, je crois. Hein. Mais je peux pas faire cette vidéo-là demain parce qu'évidemment, l'event sera fini, quoi. Hein. Ok, donc là, on a encore un peu de chance. Mais t'inquiète, on va monter un perso. On t'a dû le voir, évidemment, en miniature. Hein. Donc, il n'y a pas de suspense. Le Heinz, là, j'ai un petit peu hésité. Parce que c'est vrai que là, à mon niveau à moi, j'en ai pas trop l'utilité. Et c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça permet de te dire que t'es pas obligé d'avoir forcément un héros de cette faction-là pour pouvoir te débloquer dans le jeu. Mais de notre côté, quand tu l'as acheté ou que tu as mis beaucoup de ressources pour l'avoir, tu as envie quand même qu'il te carie de ouf, quoi. Ben, c'est normal. Hein. Mais là, je peux pas vraiment en parler parce que je l'ai pas assez monté. En signature, on est à plus 10, donc voilà. Et on n'a pas de meubles sur lui, donc voilà. J'ai pas vraiment un avis objectif encore dessus. Oh non, on me dit pas que je vais pas y arriver là. Mais non. Tu vas voir que je vais l'avoir la dernière. Hein. T'imagines la malchance qu'il faut pour faire ça là? Faut vraiment atteindre la dernière. T'as vu, j'ai fait à droite, à gauche. Hein. Bon, on sait qu'il faut obligatoirement avoir un tirage comme ça. Voilà. Maintenant qu'on l'a eu, on est tranquille. Ah, par contre, tu vois qu'il y a recherche auto. Ça veut dire quoi? Ça les fait tout seul? Ah ouais, ça va carrément ouvrir tout un par. Ah ouais, mais non, non, non. Enfin, après, oui, ça dit quand même que s'il y a le loot, ça s'arrête. Hein. Mais bon, on fera pour le prochain. Clairement, ça peut peut-être me carry. Attends, tu vois là? Je l'aurais fait là? Ça aurait été à la fin? Attends, est-ce que ça commence de haut en bas? Parce que si ça commence de haut en bas, surtout de gauche à droite, j'aurais été fini là. Hein. Attends, je tente. Débuter. Oh mon dieu, ça fait ça. Hein. Bon, là, on n'a pas de chance, c'est en bas, mais ça aurait été encore pire tout à l'heure, quoi. Ok, bon, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que ça ouvre quand même un peu plus vite. Hein. Maintenant, moi, j'aime bien ouvrir le milieu en premier, donc je veux pas trop faire ça. Ça descend super vite, on est déjà à 633. Oh, l'angoisse du truc, quoi. C'est horrible, hein.
Allez. Attends, je fais recherche auto là, je sens que ça peut me débloquer. Je savais. Donc là, on pourrait avoir, voilà, des loups déjà un peu plus sympas. Donc moi, sincèrement, le skin, je m'en fous totalement. Hein. Pas du tout un truc qui me fait kiffer. Par contre, là, le coffre, la foot pour les meubles, ça, à pas sous-estimer. Et les persos. Alors les persos, en vrai, j'ai envie de te dire, il y a que le Wukong là qui pourrait être cool. Même si les autres sont super forts, hein, je dis pas le contraire. Hein. C'est que je les ai en fait, donc j'ai pas besoin de me les monter. Enfin, je les ai, j'ai pas tout le monde. Hein. Mais j'hésite là. Hein. En vrai, j'hésite avec les meubles, hein, parce que c'est vraiment ça qui carie de ouf dans le jeu. Après, les coffres aussi, tu me diras. Mais les coffres, j'arrive pas mal à en avoir avec le labyrinthe, vu que j'ai pas mal de ressources, ça passe. Ouais, non, on va prendre ça. On va laisser le Wukong de côté, je sais pas si c'est le meilleur choix en vrai. Mais il m'en manque quand même 4 pour le monter élevé, ça fait beaucoup quoi. Là, franchement, 4 fois 7500, c'est énorme. Hein. Avec un peu de chance, après, je les ai rapidement et on serait pas trop mal, les gars. Si là, on arrive à l'avoir direct, ça, on se mettrait tellement bien. Vraiment. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, oh, la montre. Oh là là, les gars, l'erreur. Voilà. Et là, on est pas mal. Alors, tout à l'heure, on l'a eu vers le haut. Là, je pense vers le côté droit, moi. Je pense qu'il y a, un truc vers là, là. Pense mal. Tentez le gauche. On va retenter le... Mais non, j'ai pas de chance, hein. Sérieux, là. Ah, bon, c'était pas ouf. J'espère que là, prochain étage, ce sera plus facile. Ah, mais on peut pas... Oh non, mais je suis pire. Je pensais que les 10 étages après, c'était avec les trucs qu'ils nous ont donné là. Mais non, sérieux, quoi. Ok, bon, ouais, Blue Kong, tu vois, on n'aurait pas beaucoup monté parce que en vrai, on l'aurait eu qu'une fois. Et parce qu'au niveau 20, j'aurais pris autre chose. Donc, c'est pas si ouf que ça de l'avoir qu'une fois. Donc, là, je pense que j'ai bien fait. Allez, s'il te plaît. Yes. Tu vois la différence? Allez, là, faut vite arriver à l'étage 20, les gars. Mais du coup, à l'étage 20, je prends qui? Ah ouais, ça va être le dilemme, ça. Hein. Est-ce qu'on le tente en un coup encore, celui-là? Ah, la première. Tu la sens, la première, là? Oh, nickel. On se met bien. On se met très, 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 très bien, là. Allez. Bon, celle-là, ça va être chaud, clairement. Mais il y a moyen. Yes. Ok, on rattrape le retard. On rattrape le retard, c'est très bien. Allez. Là, je la vois plus vers le bas en vrai, tu vois, dans des trucs un peu comme ça, à la cacher. Non. Première. Repart sur du milieu. Non, recherche auto. Recherche auto. Je pense que j'aurais pas de chance là. Je le sens pas là. Non. Je sentais pas. Voilà, ça laisse un site, j'arrive pas à me rendre compte en vrai. Mais là, arriver jusqu'au truc 20, ça a pas l'air si évident que ça. Faudrait vraiment que j'arrive à l'avoir encore une fois directement là. Yes. On s'est mis bien. On s'est mis encore une fois bien. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. On est au 16 là, ouais. Est-ce que je tenterai pas un petit recherche auto là? Si, si, direct. Direct, direct, direct. Direct. Je le sens. Allez. Allez. Yes. Le milieu extérieur. C'est-à-dire ça. Ok. Avec un peu de chance, avec là, on l'a ici, mais non. Je tente le petit carré. Je tente le petit carré. Ouf. Très bien. Là, je sens que ça va être chaud. Je le sais, je pense. Je le vois plus vers le bas. Je le vois plus en bas, moi. Là, tu vois, dans des trucs un peu comme ça, là. Non. Allez, petite recherche auto, tranquille. Voilà. C'est, au final, c'est pas trop mal, ça. Hein. Allez, 195, je suis au 19. On l'a largement, les gars. On est nickel. Hein. Allez. Allez, s'il te plaît. Pas envie de perdre trop de temps. Change le petit carré, encore une fois. Non. Côté droit. Je le sens plus vers là, moi. Mais non. Mais non. Ah, l'erreur. L'erreur du joueur français. Ça, c'est pas faux. On a 93, mais on est au 20. Donc là, j'ai envie de te dire, on est obligé de le finir. Par contre, là, que choisir? J'ai envie de prendre un perso de Dark and Light. En vrai, je pense que c'est le plus rentable. Donc, ça serait les trois là qui pourraient m'intéresser. PVP, PVP, excellent. Elle très forte aussi, mais je la vois un peu moins jouée. Que maintenant qu'on peut voir là-dedans, si on prend héros tendance, arène de héros, champion des légendes. Il est en deuxième, hein, donc clairement, ça peut être pas mal. Bon, Alna est clairement en première. C'est vrai qu'elle, je l'ai pas du tout faite. Et je pense que je devrais. Hein. Ah, Joker et Queen sont super montés, en fait. Ah oui. Bon, en vrai, je pense qu'il faudrait prendre un des trois là. Mais je sais pas. Honnêtement, les trois peuvent être très forts. Sous Solrad pour le PVP. Mais le truc, c'est que j'en ai pas assez dans tous les cas. Et en avoir un, ça va pas vraiment me servir. Je vais encore partir là-dessus. Je sais pas du tout, par contre, là, si c'est le bon choix. Mais je sais que ça, typiquement, ça peut vraiment me servir, quoi. Parce que j'ai encore des persos à monter en meubles, donc ouais. On va partir sur ça. Donc, allez, j'espère que je vais l'avoir rapidement, mais on est d'accord que je suis quasiment obligé de... Ah non, je suis pas du tout obligé de l'avoir, là, en vrai. Yes. Ok, on a eu un peu de chance. Et là, maintenant, niveau 21, par contre, on retourne sur des loots pas ouf, on est d'accord. Ok. Ouais, donc là, maintenant, hop, on s'en fout. Ce serait cool d'avoir direct, on est d'accord, hein. Mais ah, c'est vrai, vu que j'ai pas assez de tickets, là, je peux plus faire le truc rapide. Bon, allez, hop, on prend au hasard. Ça va, on l'a eu pas trop mal. 27, il m'en reste. Je
peux encore faire 9 tentatives. Ça va être chaud, mais il y a moyen. On va pas changer notre vieille habitude, les gars. Non. Bah écoute, on sera arrivé au level 22. C'est pas si dégueu que ça. On aurait eu quand même pas mal de cartes d'observateur des étoiles. Là, on est à 105. Ah oui. Tu vois, là-dedans, on pourra se faire plaisir après avec les Dark and Light qu'on veut. Là, pour le moment, je sais pas trop vers quoi me diriger, donc je vais m'abstenir de faire ça. Par contre, ce qui pourrait être cool, c'est... j'avais des ouvertures, là. Oui, 21 en plus. Parfait. Allez, on va essayer d'avoir un truc plutôt sympa. Pas très bien. C'est vrai que ça peut être pas mal. Ouh, pas mal. Sachez que c'est très fort. Je l'ai pas encore monté en élevé, donc ça va me servir. Ça, c'est fou. Ça aussi, il faut que je le monte. C'est qu'il y a des bonnes équipes à faire avec lui, mais je l'ai pas. Lui, ça va être chaud de le monter parce que ben, j'ai d'autres persos à monter avant, donc non. Ouais, elle peut être très bien aussi avec les mecs, il faut qu'ils soient montés ou je sais pas quoi. Oh, Théorine aussi, elle peut être cool, mais voilà, la faction, là, j'en ai d'autres à monter, donc je pense pas que ça soit une priorité, ça. Lui est déjà monté. Ok, de la food encore. De la food. Pareil, je pourrais pas le monter. Ou du moins après. Nickel. Lui, on devrait pas être loin, hein. On devrait vraiment pas aller loin. Bon, elle, hop, on en a assez. Ok, pareil, ça va être de la foot, ça. Nara aussi, ça va être de la foot parce qu'on a fini. Elle, très très bien. Elle, ouais. Je l'ai monté, mais je suis pas encore enchanté. Yes. Ah ouais, là, on s'est mis super bien. Lui, énorme. Énorme. Ok, et le dernier, je le garde. Ça fait 20, chiffre rond, j'aime bien. Donc attends, est-ce que... Oh oui! Ah non, mais je me suis mis tellement bien là! Attends, lui, on en est où là? Oh, nickel. Nickel, nickel. Parce que si, je sais qu'il est très très bon aussi et il faut vraiment que je me monte en élevé. Bon, du coup, comme le Wukong, il m'en manquera 4. Mais lui aussi, il est achetable, donc c'est bon. La Belinda, elle va pouvoir être montée. Ok. Le Kassos, il va pouvoir être monté. Et des Skriat, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Là, en vrai, le Skriat, je peux tellement le monter maintenant. Donc écoute, je vais me le monter parce que là, j'ai de la food. Hop, on fait ça. Normalement, on en a largement assez. Ok. On le monte en mythique plus. Et ensuite, hop, ça déroule. Élevé. Et on va le monter même élevé une étoile. Ok, nickel. Ah, le petit scrat, ça fait plaisir. C'est quand on l'avait joué avec les cartes, tu sais, l'event où tous les persos étaient déjà montés à fond, t'avais les meubles et tout. Il était énorme. Hein. Enfin, moi, j'avais bien aimé en tout cas. Là-dedans, wow, on a plein là. On aimerait bien monter plein de persos, seulement on n'a pas assez de food. Donc ça, tant pis, ça attendra et on est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on voulait faire depuis le début, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Je pense que ça pourrait être pas mal de finir sa signature. Parce que mine de rien, on a quand même 30% de dégâts supplémentaires sur l'ultime. Et on sait que l'ultime, c'est ce qui fait le plus mal. En plus, on a maxé ici le bâton. Je pense que ça pourrait le rendre un peu plus utile. Donc, on est parti. On va se lancer là-dedans. On le monte 20. Ok. Et là, maintenant, les gars, on va le chercher. On va chercher le plus 30. J'en ai normalement largement assez dans le sac. Ok, 29. Et le dernier niveau, les gars, le 30. Ok. Là, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Donc après, il faudra des meubles, évidemment. Mais déjà, est-ce qu'on pourrait voir quelque chose? Allez, à cette équipe, je vais bloquer un petit peu. J'avais un peu de mal. Après, là, le problème, c'est que le problème... Enfin, c'est pas Enz le souci, là. C'est ma team en général. Après, j'ai l'impression qu'il a fait largement plus de dégâts, là. Hein. Attends. Bon, c'est vrai que je bloquais, mais là, j'ai l'impression d'être passé assez rapidement. J'avais essayé vraiment plusieurs fois avec cette compo-là. Et là, bon, j'ai peut-être eu un peu de chance, je sais pas. Peut-être que j'ai augmenté de niveau aussi, c'est peut-être ça. J'ai l'impression que les outils tabassent quand même. Hein. Non, ok, je me suis fait karma. Après là, c'est peut-être pas la meilleure compo contre l'équipe en face. Il faudrait clairement qu'il fasse deux fois, qu'il fasse au moins deux ultis. Et là, j'ai pas l'impression... Ok, si. Voilà, clairement, je galère un petit peu. On va tester juste après, du coup, mon équipe normale pour voir si... Mon équipe normale peut battre ça en deux secondes. Voilà. Peut-être pas. Bah, le Iron, quand il meurt, ça fait mal. Hein. Mais ouais, non, ça va. Tu vois, du premier coup. Hein. Bon, les dégâts sont un peu plus divisés, mais quand même. Ouais, tu vois, il peut être pas mal, le Haynes, mais il y a des fois où la vieille compo de base fait très, très bien l'affaire. Et tant mieux d'un côté, hein, tu vois, parce que vu que c'est un héros qui est quand même assez difficile à avoir, c'est cool que des héros facilement obtenables quand tu les montes face pareil, voire mieux. Enfin, mieux, je sais pas. Mais ok, on monte petit à petit. Donc, on avance un petit peu, les gars. On s'est débloqué. On est au 31-60. Et là, il y a trois équipes. Et j'ai jamais fait un combat avec trois équipes. Alors, ok, la troisième a pas l'air ouf. J'espère. Par contre, les deux qu'il y a juste avant,
ça peut être problématique. Donc là, j'ai pas encore créé d'équipe pour les trois. Et je sais que je peux pas partir sur un truc, ma première équipe avec ça. Quoique si, attends. On va partir comme ça, si on gagne, parce que là... Wow. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait qui est pas bon là? On va essayer d'enlever ça, on va mettre ça en bas. Et en face, on va lui mettre, pareil, une Natalia. Je pense que... Avec ça, il y a peut-être moyen. Le problème, c'est que le Héron, il se retourne contre la Natalia dans... Oh, j'ai gagné. J'ai gagné. Ok, nickel. Bon, ça m'embête d'avoir utilisé Natalia, clairement. Mais... On est comment là? Ouais. Le deuxième, écoute, je vais encore le tenter avec ça. Là devant, quoique j'ai plein de persos, ça devrait le faire largement. On va tenter un truc comme ça. Ah bah le Skriat, c'est vrai qu'on l'a pas testé. Pour avoir un autre bonus, on va tenter ça. C'est pas forcément le mieux, quoique. Attends, si je fais ça. Normalement, il y a moyen que... Déjà, le end, il va exploser tout le monde. Hein. Ok, nickel. J'ai gagné. Nickel, ok. Ouais, niveau dégâts, il est bien au-dessus. Hein. Et pour la troisième équipe, logiquement, ça devrait pas être trop difficile. Je vais faire ça. Et ça. Je pense que ça peut être pas trop mal et il devrait pas trop résister, à mon avis. Oh, je me suis fait exploser. Mais c'est quoi cette équipe, là, sérieusement? Je me suis fait exploser, les gars. On va tenter avec les jumeaux. Le truc, c'est que je tanque pas. Le Grézoul ne tanque. Ok, là, il a tanké. Allez, Isolde. C'est bon, j'ai gagné. Ok, nickel. On a passé un chapitre. Ça fait plaisir. Yes, celui-là, il me fait gagner quoi? Donc, ok. Et dans les quêtes, campagne. Ouais, comme d'hab. Ah, deux persos cette fois. Ah ouais, deux persos, c'est pas mal. Hein. Et là, les gars, on arrive au chapitre 32. Et là, du coup, chaque fois que je vais passer un niveau, par contre, il faudra que j'aligne trois équipes. Donc, ok. Elles sont de plus en plus fortes, ouais. Et du coup, pour le dernier niveau, est-ce que c'est quatre équipes? Non, ok, c'est trois équipes. Ok, donc c'est trois tout le long. Ah, par contre, ils sont tous en élevé. Ouais, ça peut être chaud. Ouais, donc là, ça commence vraiment à être plus compliqué parce que là, il faut vraiment avoir beaucoup de persos qui soient évolués. Donc, mine de rien, on a un peu de chance parce que tu vois que on est plutôt pas mal niveau perso. On s'est bien amélioré là. Hein. Donc, ok, les gars, on s'arrête là. C'était juste une petite vidéo rapide pour faire l'event, pour monter bien sûr le Haynes. Et je pensais pas qu'on allait se débloquer dans la campagne, donc tant mieux. J'ai fait en plus mes 20 ouvertures, donc c'est nickel. Donc, les gars, nous, on s'arrête ici. On se retrouvera sûrement dans la vidéo aventure qui devrait pas trop tarder. Je sais pas quand c'est qu'elle va sortir, mais ça devrait être bientôt là. Voilà d'ailleurs si c'est pas aujourd'hui et que je l'ai raté, non. Parce que là, l'ancienne se finit dans 4 heures, donc ouais. Bon, on verra ça, les gars. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao, les gars.